à tous, je m'appelle Bastien Jovial, professeur d'histoire, histoire de la musique. Je me trouve sur le site du Hellfest Motherfucker. J'y serai pendant 5 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, pour faire vivre à ceux qui n'ont pas eu la chance d'obtenir leur précieux sésame, l'expérience unique d'un festival dans les sombres enfers. Bonjour, alors je suis Bastien Jovial, je sais pas si je dois... Ah, si, faut que je... Malgré tout que je présente mon passe, c'est assez ridicule comme situation. En 20 ans de métier, j'ai jamais vu ça. Bon. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Non merci. Regardez-moi ça, ce sont les toilettes du Hellfest. C'est là où les gens défèquent et font pipi également. Oh mais vous êtes sous ? Oh oui ! Monsieur, je suis sous ! Oh oui ! Nous sommes devant le Hellfest Camping. C'est là que les festivaliers, exténués par les concerts violents auxquels ils ont assisté, vont pouvoir se reposer et boire et chanter et gueuler et faire chier tout le monde jusqu'à 5h du mat. Allons-y. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous dormez dans cette tente? Alors, on va essayer de dormir dedans, pas à côté. Ouais. Je suis actuellement en train de jouer à Tortue Ninja. Oh, il faut que j'aille... Attention, il y a un véhicule. Oh, qui m'a écrasé. Oh, dis donc. Et voilà, j'ai perdu une vie. Game over. Que faites-vous, Hellfest? Ben, je suis venu essayer de soigner l'âme de quelques personnes. C'est-à-dire, expliquez-nous. Vous vénérez le démon? Non, pas moi, j'essaie justement de l'échanger. Très bien. Très bien, et ben, c'est une noble tâche, monsieur. Allez-y, vous avez du boulot ici, hein? Ah ouais, c'est pas gagné. Alors, Nicolas Patras, chanteur d'Ultra Vomit, s'est engagé pour la protection des animaux. Et ça, c'est une valeur qui est toutefois louable, Nicolas Patras, n'est-ce pas? Oui, enfin, on peut l'acheter aussi, c'est pas que... C'est louable. C'est un jeu de mots, en fait. C'est pour ça? Je possède des chats, monsieur. Oui, plusieurs chats. 2 et demi, exactement. Parce qu'il y en a un qui est chez ma mère. C'est pas la question. Possède 2 chats, Lemon et Canis. Ce sont eux qui nous possèdent. Voilà. Ils sont possédés par 2 chats. Alors allez-y, faites-vous posséder par des animaux, c'est très important. Oui. Waouh, j'adore le rock'n'roll. Waouh, regardez, y a des mecs partout. Y a des mecs, y a des filles. Eh bien, c'est fermé pour aujourd'hui. Mais demain, nous irons ensemble à l'intérieur du Hellfest pour visiter le site, le vrai site, puisque aujourd'hui, c'était les chiottes, le camping, le marché, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des groupes en train de performer. Et ça, je vous promets, c'est demain. Merci, c'était Bastien Jovial pour la boîte noire du musicien.com. Bonsoir à tous, Sébastien Jovial. Nous sommes au 2e jour du Hellfest Motherfucker. Senti. Oh, ils se font tatouer sur les fesses. Vous voyez, nous avons une branche comme ci qui est horizontale et 2 branches verticales comme ici. Ici, nous avons une tache de naissance. Ensuite, ici, nous avons des slips sales. Des slips sales, ouais. Vous faites commerce de slips sales? Il faut de la place pour tout le monde sur cette planète. Bravo monsieur, en tout cas. Nous sommes donc devant le stand ESP où le groupe de black metal, Behemoth, est en train de procéder à une signing session. Oh, c'est magnifique. Allez-y. Oh, une manifestation. Tout est là. Ces guitares sont ici pour vous. Voilà. Et ma cravate. J'ai perdu ma cravate. Votre cravate? Oui. Oh, merci. Merci le point info. Oh. Oh, c'est magnifique! Des dizaines de milliers d'Homo sapiens se sont réunis pour célébrer le métal. Est-ce que les hommes et les femmes se déshabillent pour vous? Et quand ils vous voient, est-ce que vous signez des autographes par paquet? Non, maintenant vous le dites, personne ne s'est jamais déshabillé pour moi. Black Metal Funeral Doom! Bienvenue à la Temple. Je me retrouve dans une zone truffée d'arbres, alors c'est magnifique, voilà. Regardez, nous avons ici un acacia, ici un peuplier, un chêne. Nous sommes au cœur de la Warzone, le fief des groupes de punk rock. Allons-y, je crois que le concert de Poésie Zéro va démarrer. Est-ce que vous ne serez pas Bastien Jovial, l'historien de la musique? Et bien sûr, jadis, la vallée était juxtaposée à la Temple,
quels sont vos sentiments par rapport à ce changement d'emplacement? Avant, il n'y avait rien. Et maintenant, il y a la vallée. Et donc, voilà. Et bien voilà, c'est terminé pour cette deuxième journée au Festival de l'Enfer. Demain, je vous donne rendez-vous, nous irons visiter le stand Ernie Ball, le fondateur des célèbres cordes de guitare. Nous irons également visiter l'espace artiste. Et oui, ce sont les artistes qui se produisent sur les scènes. Mais nous irons également à la rencontre du merchandising officiel du Hellfest. Alors à demain. Merci à qui? Merci la boîte noire du musicien.com. Bonjour à tous, je suis Bastien Jovial, professeur d'histoire, histoire de la musique. Me voici au cœur du célèbre vignoble, le vignoble Clissonnet, puisque le Hellfest et le vignoble est une histoire d'amour qui dure. Aujourd'hui, je vous propose pour ce troisième jour au sein du festival Hellfest de vous faire visiter les backstage, là où les artistes se préparent avant les concerts. Suivez-moi! Ah non, c'est pas ici, excusez-moi. Et bien voilà, me voilà à l'intérieur même des backstage. Je sais ici que les artistes dans ces petites cages en plastique se prélassent et se détendent avant leur performance du soir. Ou de l'après-midi, puisque je rappelle que le fest, ça démarre dès le matin. Ici, nous avons le groupe Armes Élégantes. Ici, nous avons le groupe Avorté. Et voici la loge du groupe Pain de Sang. Voici la loge du groupe Autre Pont. Et ici, nous avons le groupe Showers. Showers que j'ai vu en 1976. Dans quelle salle est-ce que je les ai vus? Ah, c'était dans la salle de bain. Alors, me voici désormais en backstage. Et je suis juste à côté de la loge du groupe Carton Aplati. Regardez, c'est ici. Oh, je crois que tout le monde dort à l'intérieur. Effectivement, ça doit être l'adrénaline. On se repose avant les concerts, donc on va pas les déranger plus longtemps. Eh bien, je crois que la porte est ouverte. Nous pouvons entrer dans la loge du groupe Bienvenue au Bureau. Bonjour. Alors, expliquez-nous votre travail, Sarah, s'il vous plaît. Le vrai ou le faux? Oh, faites comme vous voulez. Vous savez, c'est la télé, tout est faux. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, de l'alcool fort, évidemment. Venez voir, j'ai tout. Allons-y, allons voir. Champagne, des bières. Oh, très bien, des champagnes. Oh, de la Monster sans sucre. Oh, du gin. Très bien, kit de couture. Et puis, il y a des chips également. Je veux bien les petites pistaches également, s'il vous plaît. Voilà, il y a de la place. En tout cas, merci Sarah. C'était Sarah de l'accueil artiste, voilà, qui dorlote les personnes les plus importantes du festival, puisque sans les artistes, le festival ne serait... rien. Eh bien, je suis désormais devant le stand de Ernie Ball. Et je suis avec Thomas qui va pouvoir nous en dire plus sur Ernie Ball. Ernie Ball, qu'est-ce que c'est, Thomas? Des cordes. On va poser une question intéressante. Quelle est la différence entre les cordes roses et les cordes oranges? Le tirant, c'est la tension des cordes. C'est très intéressant. Et donc, Thomas a sa petite maison en plastique dans laquelle il peut réparer les guitares, les préparer pour les artistes afin qu'ils puissent performer dans les meilleures conditions. Merci, Thomas. Au revoir. 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 Et donc, je vais à présent me diriger à l'intérieur de la loge où sont interviewés les artistes endorsés par ESP. Nous sommes à présent dans un espace confiné. Nous avons ici une petite chaise, un petit frigidaire et un petit canapé rouge chétif. Et ici, nous avons l'artiste, puisque le véritable artiste, celui qui joue, c'est l'instrument. Qu'est-ce que ça te fait d'être au Hellfest, ma jolie? Vous êtes Mimi. Let's go! Merci. Et bien voilà, c'était Bastien Jovial pour ce troisième jour au Hellfest. Demain, nous irons visiter l'espace restauration. C'est ici que les petits cochons de métal viennent se moinfrer de nourriture avariée. Enfin, avariée, je voulais dire de nourriture variée. Voilà, alors, merci à tous. On se retrouve demain. Merci, la boîte noire du musicien.com. Oh!
Bonsoir à tous, je suis Bastien Jovial, professeur d'histoire, histoire de la musique. Me voici au sein même de l'espace restauration. C'est ici que tous les petits cochons de métal viennent se coinfrer de différents mets. Voilà, et nous allons tout de suite étudier si ces mets sont variés ou avariés. Voilà, oh ça suffit, arrêtez. Oh, je me fais maltraiter. Allons-y, suivez-moi. Alors voilà, je suis dans l'espace restauration et donc je vais me frayer un chemin au travers de la queue. Merci messieurs. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Au revoir, au revoir. Au revoir. Permettez-moi de tester. Oh mon dieu! Ah, c'est délicieux! Alors qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Je crois que c'est des restants de vomi d'hier soir. Quels sont les mets que vous préparez ici? Nous préparons des tartelettes. Des tartelettes à la viande? Alors racontez-moi un petit peu comment ça se passe. Très bien. J'ai comme une aigreur d'estomac. J'ai dû manger quelque chose. Et ça ne passe pas. Et de peuplement diabolique. Voilà, merci à vous et bon festival. Toute musique qui ne peint rien n'est que du bruit. C'est ce que l'a fait Jean le Rond d'Alembert dans son encyclopédie. D'accord. Ouh là 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 là. Je suis tout à fait d'accord. Ah ! C'est vrai. J'ai lu l'intégralité de son ouvrage. C'est magnifique. De qui ? De Jean Bourgoin. Et non, voilà, il se fout de ma gueule, c'est Jean le Rond d'Alembert. Respectez un petit peu les hommes de lettres. Oh, oh que m'est-il arrivé? Oh, je vais aller prendre l'air dans la grande roue. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors est-ce que vous pourriez me faire une démonstration de headbanging? Allez à droite. Allez à gauche. Attends, allez-y, allez-y, prenez-moi de l'argent puisque s'il y a que ça qui vous intéresse. C'est honteux, c'est honteux. Oui, oui, je n'osais pas le dire madame. Oh, vous êtes sûr qu'on est obligé de le faire? Vous savez, c'est pas obligatoire. Ah, je suis pas bien là, je suis pas bien du tout, on est beaucoup trop... Attends, ça... Ah, Ben Barbo, faites-moi descendre! Benjamin, c'est Sébastien, faites-moi descendre! Et bien voilà, c'était Bastien Jovial au Hellfest pour ce 4e jour. Demain, c'est dimanche, dimanche, ça va être complètement waouh, crazy! Et j'espère que vous serez nombreux à me suivre demain pour le dimanche, le dernier jour. Merci, la boîte noire du musicien.com. Et voilà, il pleut, c'est le dernier jour du Hellfest. Ça aurait dû être une journée de fête, et elle est gâchée. Oh, mes précieuses chaussures. Et regardez, les gens... exténués par les 4 jours d'enfer qu'ils ont dû subir. Regardez-les. Ne parle pas. Comment vous appelez-vous? Poirot. Hercule. Arrêtez. Ils vont me casser la gueule. Non, non, moi les hommes tatoués, j'ai peur. Arrêtez de me lécher les oreilles. Hey hein. Oui, tout à fait. Mais j'allais le dire. Et me voici désormais à l'intérieur même de l'espace bar. Alors de quoi s'agit-il? Bien, il s'agit de la bête IPA spécialement conçue pour notre festival. Mais écoutez, je vais la goûter tout de suite. C'est délicieux. C'est un délice. C'est un délice. On ne félicite pas assez tous ces petits artisans qui fabriquent des délicieuses bières dans des gobelets en plastique recyclables. Recyclables, bien entendu. Qu'est-ce que vous faites dans ce bar, monsieur? Je suis en train de me coinfrer de burger. Voilà, il est en train de me la faire à l'envers et ça, j'aime pas. Avoue-le, t'es en train de commander une putain de bière pour toi et tes potes. Oui. Il y a beaucoup trop de monde, écoutez.
J'en ai marre de cette foule, on va s'introduire derrière les chaînes. Allez, venez. Oh mais comment tu vas? Quoi de neuf? Ne serait-ce pas la voiture du diable? Je m'apprête désormais à pénétrer sur la chaîne de la Warzone. Bonjour monsieur, je peux continuer mon... Bien sûr monsieur, faites comme chez vous. Le spectacle peut commencer. J'ai envie de rejoindre les fanatiques. Je crois que je vais aller dans la fosse. When did we meet? I don't remember, but it was a great time. Thank you, mate. Who the fuck are you? I don't give a no. Get the fuck out of here. Oh my god. Oh. Et voilà, c'était Bastien Joviel pour la patte noire du musicien.com.